Amen. Donc notre frère est en formation de discipola, il a fini sa formation de baptême, il n'a plus qu'à plonger. Amen. Et ça se fera au mois de juin. Amen. Voilà, on veut encourager les disciples du Seigneur. Amen. Là, ça nous rappelle quand on est arrivé au début, pas vous. Hein? Quand on a connu Jésus, c'était quelque chose de particulier. Hein? Et il a ce feu, le frère, comme vous l'avez aussi. Amen. Voilà, je voudrais bénir parce que nous avons notre frère Darnas qui est là avec sa famille et c'est lui qui nous apportera la parole de Dieu. On pourrait les encourager, les honorer. Amen. Soyez bénis. On a vécu avec le pasteur Darnas, on a vécu une connexion particulière. J'étais à une église, j'étais invité à l'ouverture de cette église et j'ai entendu ce pasteur prêcher. Et j'ai vu que ce pasteur prêchait avec ce qu'il avait en lui. Puis comme c'était le Saint-Esprit, ben on s'est connecté. Voilà. Amen. Amen. Soyez le bienvenu. Vous êtes à la maison. Hein? Voilà. Tu as toute la place, pasteur. Sois le bienvenu. Sois honoré. Je vous en prie. Alléluia. Nous ne voulons pas chercher du poisson au bord du lac. Mais ce matin, nous allons dans les profondeurs. Alléluia. Parce qu'au bord du lac, nous réparons les filets. Ce matin, personne ne va réparer les filets. Alléluia. Ce matin, personne ne va réparer les filets. La réparation des filets est terminée. C'est dans les profondeurs. C'est dans les profondeurs. Dieu ne m'envoie pas dans une assemblée pour rien. Alléluia. Dieu ne m'envoie pas dans une assemblée pour rien. Alléluia. Le ciel m'a dérangé pour cette assemblée. Le ciel m'a parlé pour cette assemblée. C'était compliqué. Et même cette nuit, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a tellement de portes que tu as ouvertes dans ta vie. Il y a comme si... Pasteur, il y a des gens ici comme si ils n'ont plus d'intimité. Ils n'ont plus de secret. Et leur vie est à nu. Leur vie personnelle est à nu. Alléluia. Et tout ce qu'ils font, il n'y a plus de crédibilité. C'est comme si le monde vous connaissait, le quartier vous connaissait. Et c'est une honte. Alléluia. Et c'est cette honte que tu traînes depuis des années. Il y a des portes qui ont été ouvertes dans ta vie que tu n'as pas désirées. Il y a beaucoup de portes. Alléluia. Je t'entends dire au pasteur Christian, mais Dieu me parle de cette église. Il y a tellement de portes ouvertes, tellement de portes dans des vies. Et ce matin, Dieu est venu pour les fermer. Les portes que Dieu n'a pas ouvertes vont être fermées. Les fenêtres que Dieu n'a pas ouvertes vont être fermées. Alléluia. Tu vas regarder une personne, tu vas lui dire, regarde-moi là, là, là. À la fin de la prédication, tu ne serais plus la même personne. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde-moi, prends-moi en photo. Alléluia. Et à la fin de la prédication, tu compares les photos. Tu compares la photo et moi, est-ce qu'on est pareil? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Wow, tu peux t'asseoir. Je suis votre frère. Un simple frère. Alléluia. Esclave du Seigneur, brebis du Seigneur, disciple du Seigneur. Alléluia. Il y a d'autres par révérence qui m'appellent le pasteur Darnas. Oui, parce que il a donné aux uns comme, aux autres comme. Alléluia. Et le vrai, c'est lui. Alléluia. Parce que s'il a donné à nous autres là comme pasteur, donc il y a un vrai. Alléluia. S'il dit,
soyons les imitateurs de Jésus. Nous, on n'est pas Jésus, mais on est imitateurs. Donc, moi, je suis comme pasteur. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je ne suis pas venu seul. Alléluia. Je suis venu avec celle que je colle, qui dirige le ministère depuis plus de 20 ans. Alléluia. Mon épouse. Alléluia. Alléluia. Je suis solidement marié à une seule femme. Je suis puissamment marié. Alléluia. Que quelqu'un dise puissamment. Nous avons 3 enfants. Le premier, c'est l'ange de la bénédiction. Alléluia. Le deuxième, c'est God Excellence, l'excellence de Dieu. Et la troisième, c'est la lumière de Dieu, Liora. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et il m'accompagne dans le ministère. C'est pas fini. Ça commence. Waouh. Et toute l'église Olad vous salue. Nous sommes à Paris, à Cesson. Et le Seigneur est en train de faire grâce pour qu'on soit un peu partout. Nous sommes à Bruxelles. Et il y a une naissance en secret de l'église qui est en train de commencer à Brazzaville, à Pointe-Noire, au Sénégal. Alléluia. Parce que nous avons reçu une mission. Une mission. Alléluia. Que quelqu'un ouvre sa Bible. Matthieu 28. Merci Jésus. Waouh. Matthieu 28. J'aime bien le pasteur avec sa femme. Ils sont tellement proches. Alléluia. Tu es un modèle, frère. Alléluia. Il y a des choses parfois quand tu veux te marier là. Va pas au cours de mariage, observe. Alléluia. Oh. Quand Dieu te donne pardon, qu'il te permet d'observer. Et tu reçois. Waouh. Quelqu'un peut lire Matthieu 28, 19 à 20. On va être dynamique. Matthieu 28, 19 à 20. Est-ce que quelqu'un qui a une voix angélique, une voix qui appelle les anges, peut lire? Alléluia. Tu peux te lever, ma soeur, avec révérence. Allez. On ne doit pas se tromper de la mission de l'église. La seule mission que Dieu nous a donnée, c'est de... Alléluia. Il n'y a pas de mission. Alléluia. La mission de l'église, c'est d'aller faire des disciples. Dans ce verset, moi, je vois 3 choses. Aller, baptiser, enseigner. Alléluia. Aller, baptiser, enseigner. Jésus n'est pas descendu en disant cette parole dans la rue. Non, c'était dans les synagogues. C'était à ses disciples, aux gens qui étaient enseignés. Normalement, cet enseignement, je le fais pendant 3 mois. Mais je vous ai pris une partie. La partie la plus... Hein, la lie de l'enseignement. Là. Alléluia. Millésime de l'enseignement, c'est là, là, là. Dis-moi amen, frère. Alléluia. Il ne faudrait pas que les amen soient rares. Quand je vais partir, peut-être que ça peut être rare. Mais pendant que celui-là, il faut que amen, ainsi soit-il, soit. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Apocalypse, appelle amen. Il s'appelle amen. Je vais continuer. La mission de l'église, c'est d'aller. Alléluia. Amen. Aller, enseigner, baptiser. Aller, baptiser, enseigner. Déjà avant de baptiser, il faut aller. Jésus a compris ça. Il est allé. On ne peut pas aller sans se déplacer. Et nous sommes avec toi, pasteur, en esprit. C'est faux. Alléluia. Nous sommes avec toi en esprit. Allez, nous on va prier. Non, allez d'abord. Dis-moi un amen, frère. Va d'abord. L'église va.
bats le païen, va d'abord. Tu ne vas pas être dans une piscine en train de pêcher les poissons et espérer que tu en auras beaucoup. Non, va là où se trouvent des poissons. Je continue, alléluia. Vous savez, mon thème de ce matin, c'est sois un vrai disciple. Sois un vrai disciple. Bien-aimé, tu sais, le disciple, c'est qui? Je connais une langue vernaculaire, non, une langue nationale, locale en Afrique, qui s'appelle Lingala. Disciple veut dire moyekoli, donc quelqu'un qui apprend. Le disciple. Alléluia. Wow. La Bible dit dans je crois que c'est dans Jean 15, hein? C'est Jésus qui a choisi les disciples. Pasteur, c'est pas n'importe qui est disciple. Tu dois choisir. Alléluia. Alléluia. On doit choisir les disciples. Jésus a pris son temps. Il a choisi. Pourquoi il a choisi? C'est très important ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Aller, ce n'est pas suffisant. Porter du fruit. Enseigner, baptiser. 10 ans de ministère sans baptême, il y a un problème. Diaconesse, 50 ans, il y a un problème. Ancien administrateur, 30 ans, il y a un problème. Tu pars pas. Tu es un pêcheur dans la piscine. Allez. L'église est environnée des pêcheurs de la piscine. Alléluia. Un vrai pêcheur professionnel, il s'appelle Pierre. Parce que tellement il était professionnel dans la pêche, quand Jésus est parti, il est reparti à la pêche. On leur a dit, restez dans la chambre haute. Les gars, ils ont dit, bon, écoute, il est mort, non, oui, il est ressuscité, oui. Les gars, repartons à la pêche. Alléluia. Et Jésus les a suivis à la pêche. Ils étaient en train de pêcher, se rendaient par contre, Pierre, jette le filet à droite. Frère, on l'appelait frère. Nous, on est professionnels du poisson. On a pêché toute la nuit. Tu n'as rien à nous dire. Il a insisté. Alléluia. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise, pasteur, prêche. Que quelqu'un dise, pasteur, enseigne-moi. Alléluia. Jésus est le bon berger, frère. Alléluia. Il a été choisi pour le monde. Jésus a été choisi. Le premier disciple du monde, ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Abraham. C'est Jésus. Dieu l'a choisi d'abord. Parce que le disciple, ça se choisit. Ça ne se dit pas. Non, mais quand ils étaient en train de prier, jeûner ensemble, ils ont dit, mais écoute, faudrait qu'on choisisse quelqu'un. Ils étaient ensemble en train de prier. En train de jeûner. Ils ont dit, waouh, on doit choisir quelqu'un. Alléluia. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès, voyez, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant le monde fut. J'ai fait connaître ton nom, il est venu. Wow. C'est que Dieu le choisit, il l'envoie pour une mission préétablie par Dieu. Le disciple, c'est quelqu'un qu'on forme, qu'on envoie d'abord, avec un enseignement, avec une nouvelle nature, avec des nouveaux objectifs, pas pour aller tourner autour du pot. On doit, tu dois revenir faire compte, rendre compte. Qu'est-ce qui se passe dans le champ missionnaire? Qu'est-ce qui se passe là où on m'a envoyé? Un disciple, c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut. C'est différent d'un membre associatif. Il nous faut les disciples. Un disciple est différent d'un pasteur. Alléluia. Soyons d'abord des disciples avant d'être des pasteurs. Soyons disciples avant d'être diaconesses. Soyons disciples avant d'être anciens. Frère, soyons disciples avant d'être prophètes. Jésus a appelé les disciples, pas les prophètes. Alléluia. Pasteur, Jésus a fonctionné avec les disciples, pas avec les prophètes. C'est l'apôtre Paul qui a reçu après la révélation pour établir les ministères. Mais Jésus était avec les disciples. Du discipolat, on passe à l'apostolat.
C'est pas possible d'être disciple à vie. Ça n'existe nulle part. C'est pour ça, pasteur, quand quelqu'un te prend, faisons formation des disciples 10 ans, il faut dire oui, frère, là tu es en train de me tourner autour du pot. Jésus a exercé 3 ans du ministère. Il en a formé 12. Après, ils sont devenus apôtres. Donc, disciple à vie, ça n'existe pas. C'est pour manipuler. On n'est jamais disciple à vie. Un disciple devient apôtre. C'est pour ça, frère. Reste assis et reçois. Alléluia. Assieds-toi d'abord pour recevoir. Les disciples s'asseyaient. Quand ils étaient en train de prendre le dernier repas, ils se sont assis. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui veut manger, dessert tout, debout. Alléluia. Quand on veut faire des choses sérieuses, on s'assoit. Quand on veut parler à un roi, au président de la République, on ne va pas. Monsieur le président, vous savez, le ministère, ça marche, mais l'église va bien à Saint-Quentin. Donc, au revoir, monsieur le président. Non. On va te virer. C'est la garde qui va te gifler. Alléluia. Mais on prend rendez-vous, on demande une audience, puisque c'est sérieux, et donc on s'assoit pour recevoir. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses parfois qui ne marchent pas dans ta vie parce que tu n'es pas assis d'abord. Tu dois t'asseoir. L'église doit s'asseoir pour recevoir. Alléluia. L'église doit s'asseoir pour recevoir le surnaturel. Il y a beaucoup de choses, frère, parfois qui ne marchent pas, qui bloquent, parce que tu n'es pas assis. Tu as l'indigestion parce que tu manges debout. Alléluia. Tu bois debout. Tu prends le dessert debout. Assieds-toi un peu, on fait t'enseigner. Non, parce que mercredi, je prends les enfants à l'école à 14h. Après 14h, il y aura l'assistante là-bas. Après, je saute au boulot, je reviens. Oui, le temps qui me reste là, frère, je dois quand même me reposer un peu, m'allonger un peu. Prière, peut-être une fois tous les dimanches. Non, Dieu n'a pas besoin des chrétiens le dimanche. Dieu a besoin des chrétiens du lundi au dimanche. Du 1er au 30, de janvier en décembre. D'aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. La seule chose que tu vas faire après la mort, c'est louer, adorer. 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 Matin, midi, soir. Mais si tu ne t'entraînes pas ici, tu vas l'appliquer ça où? Je ne m'aventurerai pas pour remonter sur un terrain de boxe. Sans entraînement, on va me tuer. Un coup de poing, je tombe. Je dois m'entraîner, frère. La louange et l'adoration, c'est laissé au frère qui se bat. Il est transpiré, essoufflé. Il crie, mais nous, on reste dans notre dignité. Même quand on dit, je suis dans la joie, une joie. Dis-moi amen pour que j'avance. Dis-moi amen pour que je prêche. Dis-moi un amen vitaminé, frère. Un amen de bonne santé. Waouh. Je suis venu donner un coup à ta foi. Un disciple a un comportement. Il a une nature. Un disciple vit à l'image de son maître. Je parle du disciple de Jésus. Je ne parle pas du fanatique d'un pasteur, d'un ancien. Alléluia. Je ne parle pas du fanatisme. Ça fait 30 ans que je suis dans cette église, on fonctionne comme ça. Alléluia. Ça fait 18 ans qu'on est dans cette église, on fonctionne comme ça. La Bible dit, vous avez reçu un commandement nouveau. Alléluia. David l'a compris. Un chant nouveau pour l'éternel. 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 Pas la même chose. Dieu n'est pas dans la monotonie, frère. Notre Seigneur, c'est un Dieu qui ne vieillit pas. Il n'a aucun onde de variation. Ni de changement, frère. Alléluia. Si toi tu vieillis dans ton comportement, sache qu'il y a la gloire de la seconde maison. Si tu vieillis dans tes habitudes, il y a la gloire de la seconde maison. Come on.
Merci Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais il doit ressembler au maître. Après être formé. Alléluia. Un disciple n'est pas plus grand que Jésus. Mais après la formation, il ressemble à Jésus et il fait plus que ce que Jésus a fait. L'ombre de Jésus n'a pas ressuscité le malade. Alléluia. Mais l'ombre de Pierre ressuscité. Voyez, c'est un peu frère. Jésus n'a pas séparé la mer. Mais il a marché sur la mer. C'est différent. Waouh. Jésus n'a pas donné un autre exemple à suivre autre que lui-même à ses disciples. Jésus n'a pas dit imiter les sadducéens, imiter les pharisiens, parce qu'ils sont aussi dans le... Frère, les sadducéens, les pharisiens, ils étaient tous dans les synagogues, les scribes. Ils étaient dans la synagogue. Alléluia. Tous ils étaient dans la synagogue, mais le Fils de Dieu est venu avec un commandement nouveau. Soyez mes imitateurs. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Je ressusciterai quelqu'un même quand tu es mort. Caïphe n'a pas cette capacité. La femme de Caïphe non plus. L'Arimathéen Joseph non plus. Alléluia. Gamaliel non plus. Et ils ont dit, mais il n'y a aucun nom qui n'a été donné sur la terre que celui de... Ah, ça n'en déplaise à qui que ce soit. Alléluia. Il y a beaucoup de points. Je vous ai dit, j'ai pris vraiment le condensé de ce séminaire. Alléluia. Quelqu'un note dans son carnet, aimer comme Jésus. Notez ces points. Un disciple doit aimer comme Jésus. Écoute, Jésus ne t'a pas demandé d'imiter Gamaliel parce que Gamaliel ne peut pas aimer comme lui. Il n'a pas demandé d'imiter Caïphe parce que Caïphe ne peut pas aimer comme Jésus. Il n'a pas demandé, frère, ne m'imite pas. Hein? Quand tu viens à l'église, oui, je peux être un modèle. Un modèle est différent de la marque à suivre. Nous, on est des modèles. Mais un modèle calqué sur le modèle de Christ. Alléluia. Moi, pasteur, je suis un modèle calqué sur le modèle de Christ. J'ai introduit en disant, je suis comme. Alléluia. Parce que quand on dit, toi, tu es comme elle, elle, c'est pas toi. Ensuite, il y a comme. On est des comme ici. On n'est que des comme. La première des choses, tu dois aimer comme Jésus a aimé. C'est dur, hein? Ça, c'est dur. Tu veux être disciple? Jésus demande, celui qui veut être mon disciple n'a qu'à haïr son père, ses habitudes, son comportement. Renoncer à soi-même. Alléluia. Est-ce que tu peux renoncer à toi-même? Parce que dès que ça se chauffe dans l'église, parlez pas n'importe comment sur une femme mariée. Nous, les femmes mariées, on ne nous parle pas n'importe comment. Un peu de respect, pasteur. Hein? Un peu de respect. Quand tu me parles, quand même. Donc, je vous épargne des détails. Quoi. Alléluia. Attends, non, pasteur. Non, pasteur. J'ai un master 12. Master 12. Ok? Donc, pasteur, quand tu me parles, même devant les gens, pasteur, appelle-moi. Appelle-moi, tu me parles comme ça. Après, on nous accuse, quoi. Il manque de sagesse, ce pasteur-là. Il nous parle, mais devant tout le monde. Alléluia. Dis un bon amen, frère. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de tes diplômes, certes. Parce qu'il y avait carence d'intellectuels dans l'église. On a été débauché l'apôtre Paul. C'est vrai. Dis-moi amen. Alléluia. Mais il y a une chose. C'est que Jésus enseignait en public. Il reprochait en public. Vous savez, les pharisiens, il n'y a pas une race qui est plus enseignée que les pharisiens. C'est des intellectuels. Le premier docteur dans la Bible, c'est un pharisien. Dis-moi, mon frère.
Nicodème, c'est un docteur. Gamaliel, c'est un docteur. Alléluia. Jésus l'a reproché en public. On ne veut pas de compromis. Aimez les autres comme Jésus aime. Jésus a appris à ses disciples comment aimer comme il les aime. Son amour pour vous est pur, inconditionnel et éternel. Alléluia. Un disciple doit aimer comme Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il y a la suite. Que quelqu'un dise, il y a la suite. Alléluia. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes. Tous reconnaîtront que vous êtes. Un disciple qui n'aime pas, ce n'est pas un disciple de Dieu. Si tu es disciple de Christ, tu dois aimer comme Christ a aimé. Alléluia. Tu dois accepter les insultes. Il a quitté le royaume, il est descendu. Oh, il a reçu toute insulte. Il a reçu toute qualification. Il a reçu tout problème du monde. Alléluia. Dieu ne pouvait plus l'approcher parce que le péché était. Alléluia. Un disciple de Jésus-Christ se distingue par son amour pour son maître et pour les autres. J'aime seulement Jésus. Mais toi, non? Alléluia. Quand le pasteur est là, pasteur, je fais le thé. Alléluia. Mais le pasteur fait un petit crochet en Portugal pour aller manger un peu le bacalao. On voit le vrai visage du frère. Donc quelqu'un... Oh! Quand le pasteur fait... Pasteur... Alléluia. Ça, c'est l'esprit de Nicodème. Il ne montre pas le vrai visage. Alléluia. Vous savez, Nicodème, il aimait Jésus. Mais il venait la nuit poser des questions. Et la journée, il repartait. Je ne suis pas avec lui. Je ne suis pas avec lui. Que quelqu'un dise, esprit de Nicodème, tu es vaincu. Au nom de... Tu dois aimer comme Jésus a aimé. L'amour de Dieu est infini. Alléluia. La Bible dit dans Actes 1, 8, mais vous recevrez une puissance. Quand est l'amour? Pas mais tu recevras, vous. Pas chacun chez lui, non. La Bible dit ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Je continue. Alléluia. Un disciple de Jésus-Christ doit produire, je dis quotidiennement, le fruit. Quotidiennement, le fruit de l'amour. Pas amour saisonnier. Donc dimanche là, tellement le pasteur a bien prêché, c'était pour le frère. J'aime le pasteur. Alléluia. Parce que dans des églises, parfois, hein, quand le pasteur s'achauffe là, tu dis amen, amen. Il y a des amen, gens qui disent c'est pour toi. Amen, amen, amen. Prêche, pasteur. Dis-moi amen, frère. Ça, c'est des chrétiens saisonniers. Alléluia. Le message là, vraiment, c'était pour ce qu'on s'est chamaillé. Tu t'appelles comment, ma soeur? Oui, j'étais chez Alicia hier, même pour me servir les pâtes, au lieu de mettre 5 cuillerées, elle a mis juste 2. Et tellement j'avais une faim de 2 jours, je ne voulais pas demander, j'étais gêné. Son époux était là. Mais on sent que c'est le mépris. Elle ne m'aime pas depuis longtemps. Et quand le pasteur arrive au culte, là, on dit, aimez-vous les uns les autres. Le frère dit, amen, pasteur, amen. Et surtout, quand l'esprit nous utilise là. Donne aux pauvres. Oui, oui. C'est les chrétiens saisonniers. Alléluia. Ce sont des chrétiens saisonniers. Si nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, son amour influencera positivement nos relations entre les uns et les autres. Alléluia. Alors, je voulais que quelqu'un lise quand même Romains 5. Notre belle voix du dimanche. Viens, viens. Lis, c'est toi, on t'a choisi. On peut l'acclamer. Romains 5. Alléluia. Romains 5,
Versets 6 à 8. Écoutez ça avec révérence. C'est la parole du Seigneur. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Si nous vivons l'exemple de Jésus-Christ, son amour, nous allons influencer nos relations. Alléluia. Deuxième point. Aujourd'hui, il y a des points. Ne me limitez pas ici, non, parce que tu as trop prêché. Écoutez la prédication de 6 heures. Il y a des gens qui te développent des théories maintenant. L'homme ne peut pas rester assis pendant plus de 30 minutes, ils sont sûrs. Hein. Écouter un message et retenir quelque chose. Ah frère, toi tu suis la télé du matin au soir. Tu peux avoir une lingette, du matin au soir. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent rester, pasteur, devant BFM TV, suivre les informations en boucle. Alléluia. En boucle, hein. Moi, le premier. Mais t'es pas fatigué? Tu sors là. L'Ukraine. Donnez des frites. L'Ukraine. Le popcorn. L'Ukraine. De l'eau. L'Ukraine. 18h. T'es pas fatigué? Mais quand on te parle de Jésus. Ah, pasteur, c'était trop long. On doit se voir. On doit se voir un peu, pasteur, parce que dans la vie, l'église, c'est pas ça. Non, mais. Que quelqu'un dise miséricorde. L'église, ah mais non, les gens se sont radicalisés dans des spécificités, mais vraiment spécifiques. Voilà, je le dis comme ça on protège l'église. Alléluia. Donc il y a d'autres qui sont spécialisés en réflexion. Il y a d'autres qui sont spécialisés pour l'étude de la prédication après le culte. Il y a d'autres qui sont spécialisés en compose, qu'il y a tellement d'offres dans les réseaux sociaux. Je compare la prédication là-bas et ça. Il y a d'autres spécialisés dans la couleur d'arrière-plan par rapport à ça. Et tu viens, pasteur, Dieu m'a dit, non, arrière devant Satan. Je continue. Deuxième point, pardonner comme Jésus. Un disciple pardonne comme Jésus. Après avoir aimé, il faut pardonner. Il pardonne. Le disciple passe son temps à pardonner. On ne peut pas être disciple de Jésus sans pardonner. Alléluia. Je fais attention. Parce que la fois passée, quand je suis venu, mon fils était là-bas. Au lieu qu'il soit là-bas, la femme du pasteur lui a fait ça. Assieds-toi là-bas. Et puis mon fils est parti s'asseoir là-bas. Mais ce signe-là, c'est humiliant. Dis avec moi miséricorde. Pardonner, c'est renoncer à rendre le mal pour le mal. Jésus a enseigné à ses disciples que le meilleur moyen de surmonter le mal est de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Si le sorcier, l'impie, est habitué à faire le mal, et toi aussi, la différence c'est quoi? La différence c'est que toi tu viens le dimanche faire semblant. Au moins lui il ne vient pas. Lui, il peut être pardonné. Lui avec Dieu il est clair, moi je ne suis pas pour toi. Alléluia. Lui, au moins, il sait qu'il ira en enfer. Il ne perd pas le temps. Mais tu es pire qu'un sorcier. Parce que toi, tu viens. Tu dis, je viens dans le coin des camps. Là où il y a le pardon, l'amour. Et tu n'oses pas pardonner. Tu es pire. Vous savez, j'ai une bonne information à donner à quelqu'un. Parmi les gens qui n'iront pas au ciel, il y a des hypocrites. Ça tu le savais. Parmi les gens qui iront en enfer, il y a des hypocrites. Alléluia. C'est une information que je te donne. Parce que tu ne sous-estimais pas ça. Tu sous-estimais ça avant. Non mais Dieu est bon, oui. Vas-y, voilà. On y va. Tu as entendu ce que maman pasteur a dit? Même l'enseignement, je n'ai pas compris l'introduction. Tu vois, les gens doivent apprendre. Enfin, tu es hypocrite, tu n'iras pas au ciel. C'est-à-dire que à l'instant qui suivait, la seconde qui suivait, si la trompette sonnait, tu pars pas au ciel. Parce qu'ils m'ont pas compris. Hein. C'est-à-dire que l'hypocrite n'ira pas au ciel. Celui qui ne passe pas par Jésus n'ira pas au ciel.
Celui qui n'est pas disciple n'ira pas au ciel. La Bible, il n'a été donné, je crois que c'est acte 12 comme ça. Il n'a été donné en aucun nom que celui de Jésus. Alléluia. Pardonner comme Jésus. Jésus leur a appris à pardonner aux autres comme il leur a pardonné. Écoute ça, frère. Jésus veut que ses disciples pardonnent même quand la situation est très difficile. Même quand c'est difficile. Le pardon est un pouvoir qui libère. On ne t'a pas demandé de jeûner, de prier, de donner la dîme, de donner une offrande de reconnaissance. Mais on a dit, pardonne, tu reçois une puissance. Alléluia. La déchirure de ton petit copain d'enfance qui t'a déçu 25 ans, pourtant ne restait 4 ans après. Je l'ai présenté chez ma famille. Ma famille l'a vraiment nourri. C'était bien. C'est tout était organisé. Mais je peux tout pardonner. Mais cette humiliation-là, non, non, non. Oui, tu es en train de dire non à une puissance. C'est que la puissance toque à ta porte. Laisse-moi entrer. Je vais te donner une puissance qui va te faire marcher sur les eaux. Non, je peux pas. Je peux pas. Parce que tellement c'est difficile. Je peux pas. Mais tu refuses une puissance. Le démon est puissant, vous le savez. Le démon est puissant. Mais la puissance du pardon te donne l'autorité sur les milliards de démons. Jésus a pardonné les gens qui l'offensaient, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, alléluia. Arrivé à la décapode, il a vu un fou. Dans ce fou-là, le fou de Gadara, il y avait une légion. Vous savez, une légion a combien de démons? Il y a 6000 démons dedans. Je voyais la puissance du pardon à commander à 6000 démons d'aller dans le port. Et même le démon a supplié Jésus. Et j'ai dit dimanche au culte que, vous savez, c'était la première fois que Jésus exauce un démon. Vous ne savez pas comment le gars a tombé. Hein? Alléluia. Que veux-tu de nous? S'il te plaît, envoie-nous seulement dans les ports. Envoie-nous seulement dans les ports. Répète-le. Envoie-nous seulement dans les ports. Il ne sait pas chamailler. Hein? Je te demande de m'envoyer dans les ports. Non, envoie-nous seulement dans les ports. On sait que tu es fils de Dieu. Le démon a prié. A supplié Jésus. Comme Paul. Apprends à pardonner comme Jésus. Tu n'es pas plus fort que Jésus, mais si tu le ressembles, tu feras plus que ce qu'il a fait. C'est biblique. Point 3. Que quelqu'un dise point 3. Ça te fait du bien? Alléluia. Ça te restaure un peu? Gloire à Dieu. Un disciple doit avoir l'attitude de Jésus envers ses ennemis. Je parle de l'attitude. Il y a un pasteur qui me disait, ce frère, je l'aime tellement. Parce que tout ce que tu lui dis, il sourit. Mon père spirituel, à une époque, il avait peur de moi. Alléluia. Parce que nous, quand on était au Sénégal, on disait toujours, c'est pas grave. Dans tout ce qu'on me disait, c'est pas grave. Et puis je souris. Alléluia. Et un an, deux, trois, quatre, cinq, six ans, ça a commencé à embêter ma mère spirituelle, Barbara. Bon, j'ai pour des parents spirituels allemands, donc ils ont... Alléluia. Ouais. Mon épouse était dans une autre église. En 2004, quand j'ai décidé, mais écoute, on va se marier et tout, voilà. Je suis venu voir maman Barbara et mon père, je dois me marier. Et emmène-moi ta femme ici, on traite avec ta femme. Alléluia. Elle était dans une autre église. Ça, c'est important pour toi. Hein? Un disciple doit écouter, être enseigné. On était parti pour les études. Alléluia. Ma femme était dans l'intercession là-bas. On s'est partagé le ministère. On s'est communiqué le ministère. On l'a pris en entretien par ma mère spirituelle. Elle aurait pu dire non, j'ai pas dit non, je suis dans une autre église. On a besoin de moi aussi là-bas. Un disciple doit. L'attitude
d'un disciple doit ressembler à celle de Jésus. Si vous marchez avec Jésus, les gens de ce monde vous considéreront comme des ennemis à cause de votre amour pour Jésus. Tellement tu aimes Jésus, on va t'éviter. Vous n'avez jamais remarqué, parfois tu rentres dans une assemblée, la première fois de voir une personne, la personne ne t'aime pas. Tu rentres dans une entreprise, pasteur, le gars là ne t'aime pas. Mais on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. Et tu te poses des questions, bon, j'ai fait un délire. Que quelqu'un dise, les esprits se reconnaissent. Parce que quand tu as l'attitude de Jésus, l'esprit qui est en l'autre, c'est comme le fou de Gadara. Il est en train de dire, que veux-tu de nous? Il n'a pas appelé Jésus. Non, c'est qu'il voit l'esprit qui est en Jésus. Les esprits se reconnaissent. Alléluia. Quand tu portes les marques du Christ, tu te déplaces, les esprits te reconnaissent. C'est pour ça qu'il y a des gens parfois, ils marchent comme ça, l'ombre guérit le malade. L'esprit se reconnaît. Et je soumets. Il dit, oula, lui là, ou non, pardon, passe. Vas-y, vas-y. Vas-y, je ne te touche pas. Comme Jésus, il dit, ils pourront vous trahir. Ils pourront vous accuser à tort. Oui, parce que je suis comme Jésus. Ils vont vous persécuter, ils vont vous agresser verbalement et physiquement. Voire même comme Dieu le leur a permis. Je peux permettre. Il peut permettre. Il y a des trucs que Dieu permet aussi. Mais toi, tu dois persévérer. Alléluia. Vous lirez Luc 6, 27 à 36 à la maison. Ça va encourager un disciple. Le point 4. Priez et jeûnez comme Jésus. Un disciple, pasteur, doit prier et jeûner comme Jésus. Toute l'église fait un jeûne d'une semaine. Ah, pasteur. T'as vu le nombre de personnes âgées à l'église? Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est discriminatoire. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est discriminatoire. Oh, je connais quelqu'un à 90 ans à enfanter. C'est-à-dire que ce qui est pour toi bizarre, pour Dieu, c'est pas bizarre. Ce qui est pour toi devant tes yeux normal, pour Dieu, c'est pas normal. Alléluia. Ce que Dieu sanctifie, tu ne peux rien faire. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas père de Dieu ici. Il n'y a pas frère de Dieu ici. Il n'y a pas la sœur de Dieu ici. Il y a fils et fille de Dieu ici. Donc tu n'es pas plus enfant que moi. Alléluia. Il y a le rocher des âges qui est Jésus. Mais moi je suis enfant de Dieu. C'est pour ça toi qui as 100 ans, bénis le Seigneur. Alléluia. Oh, peut-être que moi je ne les aurai pas, peut-être que l'autre ne les aura pas. Tu es dans la grâce. Au temps de la grâce, je te répondrai. Jésus a pris à ses disciples à prier comme lui, pas comme l'autre, comme lui. Nous, notre église, pour prier, il faut mettre un peu de piano. Voilà. Ok. Mais quand je suis allé, c'est le pasteur Fred, il n'y a pas piano, donc il n'y a pas esprit. Alléluia. Non, vous fatiguez l'église. Bon, pas vous, vous êtes d'ici. Alléluia. Toi qui me suis en ligne, arrête de fatiguer l'église. Que ce message te fasse du bien. Il a donné aux sept églises sept messages différents. Parce que les églises ne devaient pas opérer de la même sorte. Dieu est riche en variété. Alléluia. Il aurait pu dire, les sept sauts là, chaque saut le même message. Chaque saut le même message. Non, chaque saut un message différent. Chaque saut un message différent. Sept messages différents pour chaque église. Sept attitudes différentes pour chaque église. Si là-bas vous acclamez le Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Si ici on siffle pour le Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Si là-bas pour louer, il faut une chorale de 1000 personnes, gloire à Dieu. Si ici pour louer, il faut un piano et une voix, gloire à Dieu. C'est le message qui est dans notre sceau. Cette église a un sceau aussi qu'elle a reçu. Tiens, amène vitaminé, c'est pour toi.
faut jeûner, prier comme Christ. Alléluia. Il a prié par le Saint-Esprit. Parce que la première partie de ce séminaire parle du Saint-Esprit. Et que les disciples doivent avoir du Saint-Esprit. Donc ça, je vous ai fait un condensé puissant. D'autres occasions, je viendrai. Que Dieu me fasse grâce que je ne change pas de thème. Hein? Alléluia. Il a prié par le Saint-Esprit avant d'être tenté par le diable. Bon, écoutez. Jésus, il rentre dans les eaux de baptême. Il rentre tranquillement. Il voit Jean-Baptiste. Il le baptise. Écoutez. L'Esprit est descendu sous forme de colombe. Je peux avoir de l'eau? Une petite bouteille. Ah, je peux. Hein? C'était pour moi, ça. Oh, pasteur, toi aussi. Moi, je me disais, bon, il y a une diaconesse qui a posé ça là. Si je prends ça à la fin, peut-être qu'on va me virer ici. Donc, je faisais attention. Si tu as remarqué, je prêchais un peu ici, mais je faisais attention. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que je peux boire? Oui, parce que c'est quand même poli. Hein? Devant les gens, tu veux boire là. Demande un peu. C'est pas une nous. Je dis ça souvent à Olad. C'est pas une nous. Tu viens là, les gens sont en train de te voir. Jésus est... Non, non, non. C'est pas poli. Je peux boire, oui, d'un commun accord, parce que la voix un peu. Hein? Wow. Il rentre dans les eaux de baptême et le ciel s'ouvre. La colombe descend. Elle vient, elle se pose là. Et il y a une voix qui se fit entendre. La voix a été entendue par tout le monde, même les assistants. Tout le monde. Les pharisiens étaient là. Les sadducéens étaient là. Les scribes étaient là. Parce que les sadducéens, c'est une branche des pharisiens qui collaborait avec Rome. Ils étaient dans la politique. Et les pharisiens tout court, c'était des gens qui lisaient pour eux. C'était les disciples de Moïse. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On entend une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible m'enseigne que après là, Jésus est allé dans le désert. Frère, moi la colombe descend d'ici. Et vous, vous entendez, celui-ci est le pasteur le plus aimé de France. Je vais aller jeûner, non? Je dis, oh, écoutez, maintenant là, pour me toucher, faut le bâton. Tu restes là-bas. Alléluia. Alléluia. Le ciel souffrit, dit pasteur Damas. Tu es le pasteur en qui j'ai mis toute l'onction pour délivrer la France. Vous avez entendu ça? Vous allez m'approcher. Regardez l'attitude d'un disciple de Dieu. Le premier disciple de Dieu, c'est Jésus. Il rentre dans le désert. Il rentre dans le désert. Je te parle du désert, hein. Désert, c'est un lieu hostile à l'occupation humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas manger là-bas. Il n'y a pas boire. Il n'y a pas beau temps. Il n'y a que des extrémités dans le désert. Soit il fait chaud, soit il fait froid. Il y a la poussière. Il y a même des serpents spécialisés dans le désert. Il y a des scorpions du désert. C'est qu'ils sont différents de tes scorpions domestiques. Alléluia. Il y a des mouches venimeuses là-bas. Moi j'ai vu, hein, pour humilier Pharaon, Dieu a envoyé des mouches venimeuses qui ont quitté le désert. Bon. Toi, tu jeûnes pas. Vous savez que tout ce qu'on fait là, c'est esprit. Notre Dieu est esprit. Tout ce qu'on fait, c'est esprit, hein. La Bible dit dans Jean, je crois 6:35, que son esprit est dans sa parole. Tout ce qu'on fait, c'est esprit. L'église n'est pas charnelle. L'église est une famille. Alléluia. Moi, je n'ai pas choisi d'avoir Aïel, Liora, machin. Non, c'est Dieu qui a donné. Dis-toi, tu vas dans la famille. Alléluia. C'est-à-dire que, pasteur, quand tu as eu notre joli enfant là, tu l'as pas dessiné, hein? Ah oui, tu n'as pas donné ses yeux. C'est Dieu qui a choisi. Il dit, voilà. Qui a trois enfants? Deux. Trois ou deux. Voilà. Regarde ma soeur. Quand tu as eu tes enfants,
Tu n'as pas choisi le visage. Tu n'es pas allé à l'orphelinat. Toi, viens. Viens, on va constituer la famille là-bas. Ok. Non, toi, t'es pas bien coiffé. Alléluia. Non. Dieu a pris le temps pour donner ce qu'il a voulu. Pour créer une famille. C'est Dieu qui crée la famille. C'est pas le couple qui crée la famille. Et l'église, c'est la famille. C'est-à-dire que Dieu va te ramener des gens à l'église que toi tu n'as pas choisi. L'église, c'est pas l'association de petits copains née en 1903. On se voit un peu, oh, on est bien souvent quand le pasteur partage la quiche avec nous. Non, l'église, c'est une famille que Dieu bâtit. Toutes les fois qu'une famille est bâtie, toujours par l'adoption, 80 ans après, ça crée de problème. Quelqu'un va dire, papa, montre-moi mon père. Vrai père, parce que tu m'as adopté. Vous voyez ça? Alléluia. Même s'il le dit gentiment, mais tu es obligé. En plus, actuellement, l'adoption, faut tracer la filiation. Parce que le jour où ça va péter, faut ramener la personne là-bas. Mais l'église, c'est pas l'adoption, c'est pas la filiation. C'est Dieu qui choisit. Amen. Alléluia. Wow. Je vais compter les points. Il me reste 1, 2, 3. Wow. Il y a au moins 4 points. Je vais faire 2. Comme ça, ça te fait du bien. Hein? Alléluia. C'est des messages, c'est des enseignements que je fais en séminaire. Les gens s'asseyent. On enseigne l'église. Alléluia. On enseigne correctement l'église. L'avant-dernier point. Waouh, ça va quand même. Avoir la pureté et la puissance de Jésus. Un disciple doit avoir la pureté et la puissance de Jésus. Alléluia. Je vais lire quelques mots. Jésus était pur parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Ça, il faut le retenir. Alléluia. La pureté et la puissance. Ça se conclut là. Il était pur parce qu'il avait le Saint-Esprit. Dernier point. Obéir comme Jésus. Un disciple doit être obéissant. 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 Il n'a dit aucun mot. Aucun mot. Tu es fils de Dieu, tu l'as dit. Alléluia. Obéissant. Vous savez, Luc 22, 42, Jésus vivait pour accomplir la volonté de son Père. Un disciple vit pour accomplir, aller baptiser, enseigner. Tu dois vivre pour accomplir le plan de Dieu, pas ton plan. Tu dois vivre pour accomplir la mission. La mission, ce n'est pas supportez-vous les uns les autres. Non, ça, ce n'est pas la mission. Ça, c'est le conseil de l'apôtre Paul. Et moi, sur ce conseil-là, j'ajoute toujours supportez-vous les uns les autres dans le but de changer. Parce que si on doit te supporter et ne pas changer, 1 an, 2 ans, non, frère, on va te faire asseoir. On t'explique que tu dois changer. Obéir comme Jésus. Il veut que ses disciples qui sont enfants de Dieu vivant accomplissent aussi. Un disciple de Jésus doit lui obéir en toutes choses en attendant d'être rendu semblable à lui quand il reviendra. Alléluia. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, tu dois le ressembler. Les saints iront, tu dois le ressembler. Waouh. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Je finis pour rassurer quelqu'un. Tu sais, Jésus veut nous rendre semblables à lui. En nous apprenant à vivre par la foi, par la connaissance, par la parole, par la connaissance de sa parole et par le ministère du Saint-Esprit. Que comme lui, les disciples coopéraient avec le Saint-Esprit. Les disciples collaboraient avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever? Voilà. Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. 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 Suivez-moi. Le problème, c'est que tu ne me suis pas. Suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Je ferai de toi ce disciple rempli de puissance. Je ferai de toi ce disciple rempli de puissance. Waouh. Je vois les mains levées dans l'assemblée. Ibrosta kaya bros. Rabaye brosataba. Ringemaye brosata. Il te manque la puissance. Il te manque la puissance. Suis-moi, suis-moi. Et je ferai de toi pêcheur d'homme. Alléluia. Et les veuves vont commencer à parler, à te demander la puissance. Demander la puissance. Pour être disciple, nous devons avoir la puissance. Il manque la puissance dans la maison de Dieu. Il manque la puissance pour changer le cœur de ton voisin, de ton voisinage. Il te faut la puissance. Il te faut la puissance. Que quelqu'un parle à Dieu. Parlez à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Il y a un père qui m'a dit, quand tu arrives à l'église, tu pries pour l'esprit. Tu pries pour que Dieu remplisse son église. Remplisse tranquillement son église. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je ne sais pas pasteur, mais je crois que les cœurs ont envie de recevoir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Vous élevez juste vos mains. Alléluia. Levez vos mains, levez vos mains, levez vos mains. Merci Seigneur, merci Jésus. Et si tu veux que quelqu'un reçoive quelque chose de surnaturel, tu peux avancer. Le pasteur va prier pour toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Vous avancez rapidement. Ceux Alléluia. Qui veulent, approchez-vous. Approchez rapidement. Amen. Ramayebros, takarabashetelebos. Rimayabrasete. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu vois cet appel du cœur, Éternel, nous savons, Éternel, que tu entends le cri du cœur. Oui. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que cette puissance vienne et soit remplie, Seigneur, du Saint-Esprit encore, au travers de la mission que tu veux donner au disciple là qui est dans son cœur et qui se lève. Alléluia. Éternel, donne cette puissance qui révèle le nom de Jésus autour de ma sœur. Merci, Éternel, parce que nous prions et nous proclamons la gloire de Jésus. Merci Éternel pour ce que tu accordes encore dans l'esprit. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen Seigneur Jésus. Nous prions Éternel et nous savons que tu es celui qui est le rémunérateur de la foi. Seigneur, nous prions Seigneur pour que cette puissance et reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons, Éternel, que tu remplis, mon frère, Seigneur Jésus, en cet instant. Merci parce que nous connaissons, merci Seigneur, Jésus. La puissance de Dieu. Et tu renouvelles encore cette puissance en mon frère, Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Une autre dimension de toi. Amen, Seigneur Jésus. Nous prions, Éternel, pour que cette puissance soit révélée dans le cœur de Harold, Seigneur Jésus. Merci, Éternel, parce que tu l'investis maintenant, Seigneur Jésus. Donne-lui cette puissance pour que la différence soit vue. Merci, Éternel, parce que tu baptises de ton Saint-Esprit. Éternel, reçois, Seigneur, et donne. Merci, Jésus. Donne, Jésus, donne cette puissance encore à mon frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, prends, Seigneur, ce cœur éternel et donne-lui cette puissance pour être reconnu de toi, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont en train de recevoir la guérison. Encourage.
Alléluia, Jésus. Alléluia. La guérison, venez, venez. La guérison dans le coin. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Éternel, parce que nous prions pour Noélie, Seigneur Jésus, et tu connais le cœur des disciples. Seigneur, à cet instant, Seigneur, reçois ma sœur, reçois le Saint-Esprit maintenant. Sois saisi maintenant par le nom de Jésus. Et aujourd'hui, Seigneur, prends la place dans son cœur et dans son âme. Que cette puissance puisse être révélée autour d'elle. Qu'elle puisse voir la manifestation du Saint-Esprit autour d'elle. Là où tu la placeras, Jésus, béni sois-tu, Éternel, parce que nous savons que tu peux agir encore puissamment. Alléluia, Éternel. Amen, Jésus, alléluia. Ta présence en moi. Alléluia, Jésus. Amen. Ta présence en moi devienne palpable. Priez pour les malades. Amen, Seigneur Jésus, nous prions, Éternel, en cet instant. Bénis encore, saisis ma sœur éternelle et libère son cœur, libère son âme. Que cette puissance puisse venir encore restaurer, Seigneur Jésus. Accorde, Seigneur, la puissance éternelle qui est celle, Seigneur, qui restaure les âmes. Nous bénissons l'Éternel pour ce que tu fais dans sa vie, Seigneur Jésus, dans son âme. Éternel, conduis encore toutes choses. Bénis-la, Seigneur Jésus. Que ma sœur puisse être restaurée par l'Esprit maintenant, Seigneur Jésus, alléluia. Conduite par l'Esprit éternel. Alléluia, Jésus, alléluia, Éternel. Alléluia, Jésus. Un moment de grâce qui coule. Profitez de ce torrent de grâce. Pour que tu puisses ce torrent de grâce. Et donner ton esprit, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Amen, merci Jésus. Jésus, amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Nous prions, Seigneur. Que ta présence en moi devienne palpable. D'accord, mets-toi derrière. Je veux une autre dimension de toi. Yes. Commence. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Notre quand tu viens dans la présence de Dieu, faut être en fait. Quand tu viens recevoir un cadeau, faut être en fait. Que ta présence en moi devienne réelle. C'est une bonne nouvelle. Ta présence en moi. Alléluia. Faut venir en fait recevoir ton cadeau. Alléluia. Alléluia. Donne-moi ta main. Qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu produiras marche maintenant. Ta présence en moi. Que Dieu bénisse les fruits de tes mains. Amen. Que Dieu bénisse les fruits de tes entrailles. Que tes entrailles soient libérées. Alléluia. Sois le vrai disciple. Tout ce que tu diras, Dieu te donne une bouche autorisée. Va en paix et parle de Jésus. Ouvre ta bouche et il la remplira. Dans le nom de Jésus, va t'asseoir. Amen. Et continue de rester dans la fête. Amen. Alléluia. Seigneur, que ce que tu m'as donné, donne à ton serviteur. Donne tout ce que tu m'as donné, donne à ton serviteur. Merci Seigneur. Rakababa, Libosa, Tarabase, Télébos. Rimaya, Bache, Télébos. Rababaya, Braque, Sété. Renge Maya Brasata Baba 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 Baba. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh Rabo Sanda Baba Baba. Il imposera désormais les mains aux malades et les malades seront guéris. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Va dans le champ missionnaire. Va dans le champ missionnaire et parle de ma part. Prophétise de ma part. Je te donne ce bâton de pèlerin. Va. Et sépare les eaux. Va et sépare les eaux. Les Égyptiens que tu voyais demain, tu ne les verras plus demain. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus demain. Ikaterebos. Ibroyasata. Rabayekebos. Retetetete. Irimbosata. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Église profite de cette grâce. Alléluia. Que l'Église profite de cette onction. Il y a une huile fraîche qui est en train de couler. Une huile fraîche en train de couler. Et reçoit. L'église reçoit maintenant. L'église reçoit maintenant. Commence. Riboya terebos. Reketeyebos. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Bénis mon frère Alexis, Seigneur Jésus. Alléluia. Et que cette onction, Seigneur, puisse continuer de couler, Seigneur. Accorde-lui les dons, Seigneur, privilégiés éternels, pour être encore un père dans la foi, Seigneur Jésus, pour être encore un appui spirituel. Nous considérons, Seigneur, la valeur, Seigneur. Bénis, Seigneur, donne l'onction sur sa vie, Seigneur Jésus. Puisse interpréter, Seigneur Jésus, alléluia encore. Que le nom de Jésus soit béni, amen. Alléluia, sois béni, mon frère, amen. Amen. Prions, Seigneur Jésus,
Et nous intercédons pour maman, Seigneur Jésus, alléluia. Seigneur, que cet esprit de puissance puisse venir entourer sa famille. Que cet esprit de puissance puisse venir entourer ses enfants, ses petits-enfants. Seigneur, me parle, Seigneur, pour la famille. Que cette source puisse être, que tu puisses être une source de bénédiction et de puissance pour ta famille autour de toi, au pays comme en France. Nous considérons, Seigneur Jésus, aujourd'hui, que cette puissance va être révélée autour d'elle, Seigneur Jésus. En nom de Jésus, j'ai prié maintenant. Amen, Seigneur Jésus, amen. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Éternel, parce que nous proclamons et nous réclamons ta puissance sur ma sœur Louise, Seigneur Jésus. Seigneur, révèle les talents. Révèle le talent dans l'Église. Seigneur, accorde. Accorde aussi de pardonner le pardon, Seigneur. Nous savons, Éternel, que tu es celui qui donne le pardon. Nous savons que tu es celui qui réconcilie les cœurs. Seigneur, bénis, Seigneur, cette onction que tu as sur elle, pour elle et pour le témoin fidèle qu'elle est en Haïti, Seigneur Jésus. Nous considérons, Seigneur Jésus, que cet appel dans l'esprit est fait, Seigneur, pour que la puissance soit manifestée, Éternel, et que la gloire de Jésus soit manifestée. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Amen, Seigneur Jésus, parce que nous prions, Éternel. Parce que tu connais le cœur de mon frère Jean-Paul, Seigneur, et tu es celui qui restaure les cœurs. Tu es celui qui restaure les âmes. Tu es celui qui peut transformer une personne, qui peut la rendre une personne nouvelle, Seigneur Jésus. Mon frère appelle à cette puissance. Et nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que ta puissance peut le transformer. Merci, Jésus. Peut le renouveler, Seigneur Jésus. Peut faire une identité nouvelle, Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous proclamons la gloire de Jésus manifestée sur sa vie. Amen, Seigneur Jésus, alléluia. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Sans moi Dieu va te visiter. Il parlera même dans la bouche de l'inconnu. Pour te montrer sa puissance. Il parlera même dans la bouche d'un inconnu. D'une personne qui n'a pas d'importance devant toi. Mais Dieu va l'utiliser. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Nous prions, Seigneur, pour la doyenne de l'Église. Wow. Seigneur Jésus éternel, wow. Donne la puissance. Elle connaît ta parole. Les jambes d'une Elle biche. Connaît la lettre. Donne l'esprit maintenant de Fais-lui puissance. Fais-lui marcher vers les lieux Seigneur élevés. Seigneur Jésus, donne l'esprit maintenant. Saisis, Seigneur, ma sœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Et que les mots qui ont été des souffrances deviennent des flèches d'amour autour d'elle, Seigneur Jésus. Merci pour ta Et que les souffrances qui ont été vécues soient transformées en pétales qui viennent du ciel pour être une sœur qui pourra répandre l'amour, répandre la puissance de Jésus. Nous crions à toi, Seigneur Jésus, pour équiper encore puissamment, Éternel, que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu te donne la force du buffle, qu'il te donne les jambes d'une biche. Alléluia. Et qu'il te fasse marcher vers les lieux élevés. Et que le bonheur et la grâce, Alléluia. Le bonheur et la grâce te remplissent. Merci pour la visitation du Saint-Esprit. Pour les moindres recoins de ta vie. Je rajeunis ce qui doit être rajeuni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, Seigneur Jésus. Parce que tu connais, Seigneur Jésus, tu connais les cœurs brisés. Seigneur, tu connais les vies
consacrées à toi, Seigneur Jésus. Tu connais les vies qui ont ne cessent que de vouloir que ton Église grandisse. Tu connais les cœurs de ceux qui veulent changer. Tu connais les cœurs de ceux qui veulent être transformés. Seigneur Jésus, la marche avec toi est une marche longue. Et nous savons que c'est une marche de nouveauté, en nouveauté de vie, Seigneur Jésus. Nous prions que la puissance du Saint-Esprit soit sur Jean-Jacques maintenant, qu'elle soit renouvelée maintenant, qu'elle le transforme encore, qu'elle fasse de lui encore quelqu'un de nouveau pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, Seigneur Jésus. Nous considérons, Seigneur Jésus, que toute œuvre, Seigneur, qui est forgée contre lui est brisée. Et nous considérons maintenant que la manifestation de ton esprit va réveiller ces talents que tu lui as donnés dans l'esprit. Nous parlons de ton esprit, Seigneur. Nous parlons de l'esprit de vie, Seigneur Jésus. De celui qui réveille les âmes qui sont éteintes, Seigneur Jésus. Un disciple de Christ établi, rempli du Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Que l'honneur et la grâce soient manifestés, Seigneur, dans sa vie éternelle. Nous te bénissons, éternel. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Sois béni. Dieu, libère les dents, libère les dents, libère les dents. Libère les dents, libère les dents, libère les dents. Que Dieu libère les bouches, Seigneur Jésus. Que Dieu remplisse les bouches. Pour la puissance du Saint-Esprit qui est déjà manifestée. Seigneur, je prie. Je prie, Seigneur Jésus, pour la manifestation encore de la parole. Que la Bible s'ouvre sur ses yeux, Seigneur Jésus. Que la prédication soit encore révélée par le Saint-Esprit encore. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, une saison nouvelle encore. Un cœur de Dieu. Un cœur nouveau, Seigneur Jésus. Il aime comme toi. Il écoute comme toi. Il console comme toi. Alléluia, Jésus. Yes, yes, yes. Reçois, Seigneur, reçois encore François, yes, le Saint-Esprit, ouais, ouais, comme tu l'as déjà reçu. Yes, yes. Qu'il y ait encore, Seigneur, merci, une étape spirituelle, merci, nouvelle, merci, dans la prédication, yes, dans l'accompagnement, alléluia, dans la vie de serviteur de, yes, Dieu. Yes, yes, yes. Nous considérons la gloire de Jésus manifestée. Wow, wow. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, pour ta, Seigneur, gloire, merci, Seigneur, merci, manifestée. Merci, alléluia. Que Dieu change ton cœur. Que Dieu te donne le cœur. Un cœur de père, un cœur de responsabilité, un cœur de berger, un cœur de berger. Alléluia. Yes, come on. Come on, Jésus. Il y a un transfert, il y a un transfert. Je peux le faire? Oui. Je peux le faire? Oui. Il y a un transfert, il y a un transfert d'onction. Pam! Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Reçois ce cœur de serviteur de Dieu. Que Dieu te donne les épaules larges. Les épaules du ministère. Alléluia. Saisi par l'Esprit aujourd'hui le ministère que le Seigneur te donne. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, révèle-toi à lui encore dans la mission que tu lui accordes maintenant. J'ai entendu mission. Dans la mission que tu accordes maintenant, Seigneur Jésus. Rabos. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Merci. J'ai entendu mission. Amen. 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 Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Merci. Seigneur, tu es celui qui est le Dieu qui transforme, qui renouvelle les vies. Pour nous, il y a une parole pour ta vie. Tu choisis la bonne part parce qu'aujourd'hui tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Contre vents et marées, il y a eu des choix, il y a eu des décisions, il y a eu des choses que tu as faites, mais le Seigneur ne le voit pas. Le Seigneur a vu ton cœur. Et le Seigneur t'a dit que ce cœur, si tu le laisses faire, il va t'employer maintenant pour être un esprit que Dieu va utiliser pour répandre l'amour autour de toi. Que cet amour va être manifesté par Jésus-Christ dans ta vie pour que toi tu le transmettes pour les gens qui sont autour de toi. Saisis maintenant cet amour que Jésus te donne pleinement pour qu'il puisse être transféré pour ceux qui seront autour de toi. Alléluia. Seigneur, te libère maintenant de tout historique, de tout passif, de toute chose, Seigneur, qui n'a pas correspondu à la vie de Christ. Tu parles, Éternel, et nous saisissons par l'Esprit maintenant ce que tu veux accorder comme esprit d'amour pour la vie de Bruno. Que cet amour soit manifesté maintenant. Oui, oui, oui. Et qu'il puisse être répandu pour la gloire de Jésus-Christ comme un disciple du Seigneur. Merci, Jésus. Le Seigneur me parle de compassion. Il me dit aussi que la compassion est très faible dans les églises.
Et Dieu veut te donner cet esprit de compassion, de comprendre les autres. Merci, Seigneur. De les aimer, de les comprendre. Merci, Seigneur. Seigneur t'appelle à cette mission, Bruno. Aie de la compassion et de l'amour pour ceux qui sont autour de toi. Et Jésus se manifestera autour de toi. Alléluia. Par la compassion que tu as pour eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Alléluia. Seigneur. Amen. Merci.